first they hit with phase one, airstrikes all day and all night. Phase two, rockets hit the Gaza Strip with phosphorus. Phase three, ground attack, how we gonna counteract? Boycott, divest, and sanction. Boycott, divest, and sanction. Boycott, divest, and sanction. Israel, you should be ashamed. Killing maimed thousands of civilians in our name. Claim you hitting terrorists, but children in your aim. Even murder relief workers, what's spilling from their brain? While they tried to drive the ambulance, so they couldn't stand a chance. Even bomb students, hospitals, Mas Rafa and Khan Yunus. Shot them in their back like the cops to Oscar Grant. And in each case, the good old United States sponsored that. $7 million a day that we pay tax, and Apex lobbyists is robbing us. Sometimes it feels like there ain't no stopping this, but now nobody can deny it, cause you made it too obvious. Naked truth exposed like the emperor's clothes. The struggle's getting hotter and the temperature rose. Since 1948, when you formed the state, Palestinian people still defending their homes. They ain't been surrendering, nope. Boycott, divest, and sanction. Boycott, divest, and sanction. Boycott, divest, and sanction. Cause they even bombed the United Nations. Look, I'm Israeli, my government's so arrogant. War criminals who call Palestinians terrorists for resisting extinction and occupation, comparing it to genocide and reservations of Native Americans. It's a massacre. Kick out their ambassador. Divest from the apartheid like South Africa. Boycott them like King to Montgomery buses. Show them we want peace, but only with real justice. They murdering the media and witnesses left. We gonna stop shopping at all the businesses that invest in building their settlements and gentrifying our corners. Illegal walls over there and the U.S.-Mexico border. Build a worldwide movement till the truth is heard. And supporting the Israelis who refuse to serve. All the COs who ate wall when deployed to Iraqi stations. All the people rallying while the cops are chasing. If we enlisted in the system, we got an obligation. And we ain't got the patience, time to stop the occupation, yeah. Boycott, divest, and sanction. Boycott, divest, and sanction. Boycott, divest, and sanction. Till there's right of return for displaced and reparations. Ah, je vais les acheter, j'ai mon chéquier là. Tu remets ça. Et là, jusqu'à l'arrivée des gendarmes, tu laisses ça là, après tu vas le récupérer, tes produits. Après ça va être perdu aussi. Bon, ça va pas être perdu en une demi-heure, arrête de... La date de péremption, elle est dans une demi-heure, dans 30 minutes. Non, non, elle est pas dans un frigo. Elle est pas entreposée dans un frigo, donc... Il faut bien que les gens reconnaissent les produits qui sont illégaux. Donc après vous allez les récupérer les produits donc. Donnez l'exemple des produits laitiers. Bonjour. 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 Qu'est-ce qui se passe là? Donc aujourd'hui, je dis, je suis pas d'accord avec cette action-là de rentrer du magasin. J'ai dit, moi, organiser la semaine prochaine un stand comme UNICEF avec de l'information pour les gens qui veulent expliquer des produits, je l'accepte. Et des actions comme ça, coup de poing, je n'accepte pas. Donc aujourd'hui... En sachant qu'on a envoyé une lettre. Oui, mais... Il n'a pas lu. Il l'avait pas lu. Alors on était en train de tomber sur un accord. Donc, attention, vous bloquez le passage. Pardon.
Non mais l'accord, c'est, il vous l'a donné l'accord. C'est installé là-bas, la semaine prochaine ou dans 10 jours, après lui avoir après son autorisation, parce qu'ici, c'est pas possible. C'est un établissement public. Hein. Comment ? On est consommateur aussi. Hein. On a le droit de rentrer dans un magasin. Non, pas là. Non. Ah bon, on n'a pas le droit de rentrer dans un magasin quand on est consommateur. Là, est-ce que vous avez consommé ? Bah oui, j'allais acheter du pain là. Bah, allez-y. Bah, j'attends. J'attends la fin là. Mais vous n'avez pas le droit d'interdire l'accès aux gens. On n'interdit pas l'accès. Vous gênez les gens, vous gênez le passage. Ah non, on ne gêne pas le passage, on laisse passer. C'est une action pacifiste. Celle-ci complètement claire. Ce que j'ai noté quand même, c'est que monsieur était d'accord de s'informer. Ouais. Ça, c'est quand même un point positif. Et monsieur le gendarme peut se renseigner par rapport aux produits qui sont illégaux. Comment ? Les produits qui sont illégaux là. Quels produits illégaux ? Qui sont là, la SodaStream. Ouais. Dans ce chariot là. L'appareil à gazéifier, il y a un arrêt de la Cour européenne qui dit qu'il n'a pas à être en Europe étant donné qu'il provient des colonies, des terres volées aux Palestiniens, il ne vient pas d'Israël. Ouais. Et sur la boîte d'emballage, c'est écrit origine Israël. Donc en fait, c'est une atteinte au droit international. Ça, il faut aller voir à la consommation. J'étais voir à la douane, j'étais voir à la douane hier. Ouais. J'ai alerté le chef de service de Caen, de la douane de Caen. Est-ce que vous ne pouvez pas voir avec les trucs de consommation ? Ah non, c'est la douane qui doit faire ça. Puisque c'est une fraude dans le magasin, ça ? Oui, c'est une fraude à l'origine parce que, étant donné qu'il y a un défaut d'origine, et en plus, il y a un accord Union européenne-Israël qui dit que tout ce qui vient d'Israël, des frontières d'Israël de 67, ne paye pas de taxes de douane quand ils rentrent dans l'Union européenne. Ouais. Mais le problème, c'est que ces produits-là, il y a un arrêt de la Cour européenne qui dit que ces produits-là viennent des territoires volés aux Palestiniens, et il y a une clause dans l'accord Union européenne-Israël qui stipule que tous les produits qui viennent des territoires en Cisjordanie, vallée du Jourdain, occupés, des colonies, n'ont pas à avoir le droit préférentiel de la taxe. Et ça va avec hein. Oui. Ça, ouais, ça explique. Vous le récupérez, hein. Ouais, non, vous pouvez le garder, hein, on en a plein. C'est de l'information. Ah non, c'est de l'information, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça qu'on est là. Non, mais c'est par rapport au droit international. On ne veut pas. Parce que des trucs comme ça, il faut aller voir qu'est-ce que c'est qu'ils peuvent s'en occuper dans les supermarchés. Les douanes. Des trucs comme ça. Il n'y a que les douanes qui peuvent s'en occuper. Et puis les centrales d'achat le savent. Les directeurs de magasins le savent que les avocats ne viennent pas de la frontière. Ils viennent de la vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain, c'est à côté de la Jordanie. C'est un territoire qui a été occupé, qui est occupé toujours. Donc c'est pour ça on s'appuie sur le droit international et les résolutions de l'ONU. Alors c'est parce vrai qu'un que la produit France, qui est... ça n'intéresse voilà. pas beaucoup. Le gouvernement parce que, voilà. Bon, notre gouvernement et pourquoi d'Israël, ils essayent de fermer les yeux et disent bon jusqu'à maintenant. Par contre, effectivement, au niveau européen, oui, et on sait bien que le droit européen en la matière, puisque ce sont des accords européens avec Israël, prévaut sur le droit français. Voilà. Donc, nous, on a du mal en ce moment à faire accepter à notre. Que, bon, alors, les tribunaux. Voilà, donc on apporte un certain nombre de plaintes pour ce genre d'action. Hein. Donc, on le sait. La démarche légale aussi, on le dit, on porte plainte contre le fait que ces produits-là se retrouvent contraires au droit européen. Attention. Mais, pareil, mais faire des grèves ou des manifestations ou quelque chose comme ça, il faut prévenir, quoi, ça se fait pas. On l'a prévenu le directeur. Sauf qu'il n'a pas vu le courrier, soi-disant, bon, en nous disant. Moi, je pense qu'il n'avait pas très envie de répondre aussi, hein, quand même. Ah, c'est possible. C'est normal. C'est normal. Bon, il s'est dit, oh là là, je vais répondre. Les directeurs de Leclerc et de Carrefour à Alençon ont accepté la chose et ont laissé faire l'action. Et après, on est parti pacifiquement. On ne détruit pas les produits. Okay. Non, mais, on informe juste les consommateurs. Il est bien OK pour que vous fassiez toute une journée... d'après ce qu'il vient de dire, hein. Vous passiez toute une journée dans le magasin pour informer les gens, pour informer le public, pour distribuer vos tracts. Donc, voilà. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, ça vous permet de venir, d'embêter personne, puisque et au moins de pouvoir distribuer ce que vous avez à distribuer et parler aux gens de ce que. Et d'informer les gens par rapport à ces produits-là. Exactement. Ouais. Ouais. Les gens, ils sont toujours épatés. Quand c'est le pot de fer, les gens ils sont toujours épatés qu'on le fasse.
Mais c'est comme ça que les combats se gagnent de longue haleine, et en faisant la bataille de l'opinion, quoi. C'est vraiment en consommant qu'on agit, qu'on monte son opinion politique. Donc vas-y Alain, si tu veux. Rapide. Chantal, Bref, bilan pour cette action à Mortagne. Chantal. Donc, au tout début, l'intervention du directeur du magasin, M. Noyer, était un petit peu costaud. Donc avec un refus catégorique de nous voir pénétrer dans le magasin avec nos t-shirts, avec les panonceaux, etc., de remplir les caddies de produits estampillés Made in Israël, en nous justifiant que c'était une propriété privée, qu'il était chez lui, qu'on n'avait pas à faire ce type d'action. Après un certain nombre d'arguments échangés de part et d'autre, donc on est arrivé à un accord, à savoir que Monsieur Noyer nous autorise à tenir un stand d'information dans le magasin Super U de Mortagne à une date à notre convenance, donc soit samedi prochain ou un petit peu plus tard, de façon à pouvoir présenter notre action. Donc, après réflexion au sein du groupe, on a décidé que c'est une proposition tout à fait intéressante parce qu'on voyait bien qu'il était dans une situation de blocage. Donc, ah oui, signaler aussi que que le directeur a appelé la gendarmerie, bon, les gendarmes qui sont venus voir ce qui se passait, et que si on avait persisté dans notre démarche à faire en sorte de distribuer les tracts avec les caddies pleins dans son magasin, etc., on serait arrivé assez rapidement à une situation de blocage. Alors que là, on a peut-être l'occasion d'expérimenter ou de trouver une nouvelle voie, une nouvelle formule pour familiariser nos idées et ce combat contre l'importation illicite de produits israéliens, à savoir un stand d'information dans une galerie marchande, une galerie commerciale, chose qui, à mon avis, n'est sûrement pas très très courante. Donc voilà pour un premier bilan à chaud de cette action et donc voir quelles seront les conséquences et ce qu'on pourra en tirer comme enseignement pour les prochaines actions qui sont prévues, notamment celle du courant décembre à Argentan.